L'amitié, une seconde parenté. Prietenia, o a doua rudenie. L'amitié, une seconde parenté. Les adolescents ont leur problème à eux. Ils ont besoin de partager leur joie et leur souffrance, de confier leur peine à leurs amis. Parfois, les adolescents ont du mal à gérer leurs sentiments. Ils aiment se retrouver dans les pages des magazines pour les jeunes. Ils s'adressent souvent au courrier du cœur pour demander des conseils. Courrier du cœur. Je craque pour une fille. Le problème est que mon entourage ne l'aime pas et je suis pris entre deux feux. Que faire, par à mes amis? Dois-je la choisir, elle, ou les choisir, eux? Bernard, 17 ans. C'est peut-être l'occasion de faire le tri dans ton entourage et de voir qui sont les gens qui t'apprécient vraiment. S'ils sont tes amis, ils respecteront ton choix et ta copine avec. Salut! J'ai vu au lycée un beau type. Je voudrais lui faire comprendre qu'il me plaît, mais je ne sais comment. Sylvie, 16 ans. Souris-lui pour lui montrer qu'il ne t'est pas indifférent. Trouve un sujet bidon pour l'approcher et lui parler. C'est important de créer des liens dès le début. Courage. Mes parents ne sont pas d'accord avec mes potes. Ils disent qu'ils ne sont pas les meilleurs compagnons parce qu'ils aiment trop les sorties. Bref, ils ne sont pas les amis qu'il me faut. Que faire? Caroline, 16 ans. N'oublie pas que tes parents t'aiment et que c'est leur manière à eux de te le dire, en fait. Tu devrais montrer quelles sont vos passions communes. N'hésite pas de leur parler. Essaie de gagner leur confiance. Les adolescents ont leur problème à eux. Les adolescents ont leur problème à eux. Adolescenti au problemele lor. Ils ont besoin de partager leur joie. Ils ont besoin de partager leur joie. Ei au nevoie să-și împărtășească bucuriile et leur souffrance et leur souffrance și suferințele lor, de confier leur peine, de confier leur peine, să-și încredințeze necazurile a leurs amis, prietenilor lor. Parfois, uneori, les adolescents ont du mal à gérer leurs sentiments. Adolescenților le este greu să își gestioneze sentimentele. Attention, vous observez le partager, atenție, l'observați pe verbul partager, a împărtăși, qui finit en ger, care se termină în ger. N'oubliez pas, nu uitați că le verb qui finit en ger, că verbele care se termină în ger, ont un problem, au o problemă. À l'indicatif présent, la indicatif présent, à la première personne du pluriel, la persoană întâi plural, vous devez intercaler un E. Trebuie să intercalați un E pour pouvoir prononcer J, ca să puteți să pronunțați J. Nous partageons. Si vous oubliez le E, dacă uitați, on doit prononcer nous partagons. Trebuie să pronunțăm nu partagon, este ne pas corect și nu este corect. Attention, o verb qui finit en ger. Atenție la verbele care se termină în ger. Vous devez retenir le verbe manger. Trebuie să le rețineți pe verbul manger. Comme le verbe manger, vous faites les autres verbes. Manger, le faceți pe celelalte verbe. Donc, attention, deci atenție. Ils aiment se retrouver, le place să se regăsească dans les pages de magazine, în paginile revistelor, pour les jeunes, pour tineri.
Il s'adresse souvent, ei se adresează adesea, au courrier du cœur, curierului inimii, adică locului din revistă pentru problemele sentimentale. Rubrica cu problemele sentimentale. Pour demander des conseils, pentru a cere. N'oubliez pas que le verbe se retrouver, nu uitați că verbul se retrouver, a se regăsi, c'est un verbe pronominal, este un verb pronominal, et alors, vous ne devez pas oublier les pronoms, nu trebuie să uitați pronumele, et vous ne devez pas oublier, și nu trebuie să uitați, de le conjuguer à un temps composé, să-l conjugați la un timp compus, avec l'auxiliaire être. Cu auxiliarul être. Et quand vous conjuguez avec l'auxiliaire être, și când conjugați cu auxiliarul être, vous devez faire, faceți, l'accord du participe passé, acordul participului trecut. Comment fait-on l'accord du participe passé? Cum facem acordul participului trecut? C'est très simple. Este foarte simplu. Pour le féminin, on va mettre un E. Pentru feminin, on va mettre un E. O să punem un E. Pour le pluriel, pentru plural, on va mettre un S. O să punem un S. C'est-à-dire un S. Courrier du cœur. Corespondența inimii sau rubrica cu problemele sentimentale dintr-o revistă. Je craque pour une fille. Îmi place la nebunie o fată. Le problème est que. Problema este că mon entourage ne l'aime pas. Anturajul meu nu o place. Et je suis pris și sunt prins între deux feux. Între două focuri. Être pris entre deux feux, a fi prins între două focuri, înseamnă être confronté à deux menaces distinctes. Să fi confruntat cu două amenințări distincte. Adică, si le garçon choisit la fille, dacă băiatul alege fata, alors c'est l'entourage qui se fâche. Atunci, anturajul fără. Si Bernard choisit l'entourage, il va perdre la fille. Dacă alege anturajul, o să piardă fata. Que faire par rapport à mes amis? Ce să fac în raport, în legătură cu prietenii mei? Dois-je la choisir elle? Trebuie să o aleg pe ea? Où les choisir eux? Sau să-i aleg pe ei. Bernard, 17 ani. C'est peut-être l'occasion de faire le tri. Poate că este ocazia să triezi dans ton entourage, în anturajul tău. Să selectezi în anturajul tău. Et devoir și să vezi qui sont les gens, care sunt oamenii qui t'apprécient vraiment, care te apreciază într-adevăr. S'ils sont tes amis, dacă vor fi prietenii, ils respecteront ton choix, îți vor respecta alegerea ta, et ta copine avec. Și pe prietena ta. Vous observez că j'ai traduit avec le futur. Observați că am tradus cu viitorul. S'ils sont tes amis, dacă vor fi. Pourquoi j'ai traduit avec le futur? De ce am tradus cu le futur simplu, cu viitorul simplu? Parce que c'est la règle du si conditionnel. Pentru că este regula lui si conditionnel. C'est la première règle du si conditionnel. Este prima regulă pentru si condițional, pentru dacă condițional. Vous savez qu'après si, on ne peut pas avoir
le futur. Știți că după si nu putem să avem viitorul. Un doigt mètre, le présent. Trebuie să punem prezentul. Je vous rappelle la première règle. Vă aduc aminte la regulă du si conditionnel pentru si conditionnel, pentru dacă condițional. Dans la proposition principale, dans la proposition principale, în propoziția principală, on peut avoir, on peut avoir, putem să avem l'indicatif présent, l'indicatif présent, indicativul prezent, le futur simple, viitorul simplu, le futur proche, le futur proche, viitorul apropiat, ou l'impératif, ou l'impératif, sau imperativul, l'impératif présent, imperativ prezent. Mais après si conditionnel, mais après si conditionnel, dar după si, adică dacă condițional, on doit mettre toujours l'indicatif présent. Toujours l'indicatif présent. Trebuie să punem tot timpul indicativul prezent. Je répète, j'ai traduit avec le futur simple. Repet, am tradus cu viitorul simplu, même si le verbe est à l'indicatif présent. Chiar dacă verbul este la indicativ prezent. S'ils sont tes amis, ils respecteront. S'ils sont tes amis, ils respecteront. Dacă vor fi prietenii tăi, vor respecta. Salut, 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 bună. J'ai vu au lycée un beau type. J'ai vu au lycée un beau type. Am văzut la liceu un tip frumos. Je voudrais lui faire comprendre. Je voudrais lui faire comprendre. Aș vrea să-l fac să înțeleagă. Qu'il me plaît. Qu'il me plaît. Că îmi place. Mais je ne sais pas comment. Mais je ne sais pas comment. Dar nu știu cum. Sylvie, 16 ans. Sylvie, 16 ans. Sylvia, 16 ani. Souris-lui pour lui montrer. Zâmbește ca să-i arăți qu'il ne t'est pas indifférent. Qu'il ne t'est pas indifférent. Că nu îți este indiferent. Trouve un sujet bidon. Găsește un subiect inventat, scornit, fals, pour l'approcher, pentru a-l apropia sau ca să-l apropii, et lui parler și să-i vorbești. C'est important de créer des liens, este important să creezi legături dès le début, chiar de la început. Curaj. Mes parents ne sont pas d'accord avec mes potes. Părinții mei nu sunt de acord avec mes potes. Avec mes potes, cu prietenii mei. Ils disent, ei spun, qu'ils ne sont pas les meilleurs compagnons, că nu sunt cei mai buni tovarăși, parce qu'ils aiment trop les sorties, pentru că iubesc sau pentru că le plac prea mult ieșirile. Bref, pe scurt, ils ne sont pas les amis qu'il me faut. Ils ne sont pas les amis qu'il me faut. Nu sunt prietenii care îmi trebuie. Că fer, ce să fac? Caroline, 16 ans. Carolina, 16 ani. N'oublie pas que tes parents t'aiment. Nu uita că părinții tăi te iubesc. Et que c'est leur manière à eux, și că este modul lor de te le dire en fait, de a-ți spune de fapt. Tu devrais leur montrer, ar trebui să le arăți, quelles sont vos passions communes, care vă sunt pasiunile comune. N'hésite pas de leur parler, nu ezita să le vorbești. Essaie de gagner leur confiance. Încearcă să le câștigi încrederea. Nu uitați că le verb essayer, verbul essayer, a încerca, are două conjugări. On peut garder le Y al indicativ prezent devant une terminaison muette. Putem să păstrăm Y-ul la indicativ prezent în fața unei terminații mute, ou on peut transforme le Y en I,
U, on peut transformer le Y en I. Sau putem să transformăm Y-ul în I devant une terminaison muette, în fața unei terminații mute. Mais, dar, il y a une prononciation différente. Il y a une prononciation différente. Este o pronunție diferită. Si je garde le Y, dacă păstrez Y-ul, je dois prononcer j'essaye. J'essaye. Mais, si je transforme le Y en I, dar dacă transform Y-ul în I, je répète, devant une terminaison muette, în fața unei terminații mute, et les terminaisons muettes sont și terminațiile mute, E-E-S-E-N-T, E-S-E-N-T, alors, atunci, je dois prononcer j'essaie, eu încerc. Vous devez savoir, trebuie să știți, că dans tous les textes que je mets, în toate textele pe care le pun, j'utilise des couleurs, utilizez culori. Je vous rappelle pour quel temps sont les couleurs. Vă aduc aminte pentru ce timpuri sunt culorile utilizate. Par exemple, pour les verbes qui sont à l'indicatif présent, de exemplu, pentru verbele care sunt la indicativ prezent, j'utilise le vert, utilizez verdele. Je parle, c'est à l'indicatif présent. Vous observez că c'est à l'indicatif présent, observați că este la indicativ prezent, parce que vous avez la terminaison E. Aveți terminația E. Parle, ou parler, c'est à l'impératif présent. Donc, le lila est pour l'impératif présent. Este pentru imperativ prezent. J'ai parlé, c'est pour l'indicatif passé composé. Este pentru indicativ perfect. Vous observez que le passé composé, observați că perfectul compus, est formé avec le verbe avoir, este format cu verbul avoir, ou le verbe être sau verbul être, plus le participe passé, plus participiul trecut. N'oubliez pas, quand vous conjuguez avec être, de faire l'accord du participe. Uitați când conjugați cu être să faceți acordul participului trecut. Donc, j'ai parlé, eu am vorbit, j'ai pris un verbe qui se conjugue avec avoir, am luat care se conjugă cu avoir, et je suis parti, eu am plecat, j'ai pris un verbe qui se conjugue avec être. Am luat un verb care se conjugă cu être. Je parlerai, c'est un verbe à l'indicatif futur simple. Este un verb la indicatif futur simple, viitor simplu. Quand vous voyez le R, când vedeți R-ul, e la terminaison de futur simplu și terminația de viitor simplu, vous devez savoir que c'est le futur simple. Trebuie să știți că este viitorul simplu. Si vous voyez le R, dacă vedeți R-ul, în ruj, cu roșu, e la terminaison d'imparfait, e la terminaison d'imparfait și terminația de imperfect, vous devez savoir că c'est le conditionnel présent, că este condiționalul prezent. Donc, atenție. Et regardez, bien sûr, les couleurs pour les retenir. Și uitați-vă la culori care le țineți. Avoir besoin, a avea nevoie. Partager, a împărtăși sau a partaja. Par exemple, quand on parle de divorce, ils ont partagé les biens, au partajat bunurile. Mais, dans notre texte, on a vu, c'était a împărtăși. Confier, a încredința. Leur peine, necazurile lor. La peine de mort, pedeapsa cu moartea. Vous observez că în francez on a deux, în român on a cu. Attention! Avoir du mal à, ai fi greu să. Gérer les sentiments, a gestiona sentimentele. Le magazine, sinonim avec la revue, revista. Le magazin, magazinul. Jeune, tânăr sau tânără. Vieille, c'est pour le masculin, este pentru masculin, bătrân. Vieille, bătrână. Quand on utilise la deuxième forme, când utilizăm a doua
quand vous avez voyelle ou h muet, când aveți vocală sau h mut. Par exemple, un vieil homme, un vieil homme, un om sau un bărbat bătrân. Souvent, souvent, des sau adeseori, rarement, rarement, rar. Demandez, demandez des conseils, des conseils, a cere sfaturi. Mais attention, dar atenție, demander signifie a întreba, mais aussi a cere. Înseamnă a întreba, dar și a cere. Je craque pour, je craque pour, îmi place la nebunie. Le feu, focul. Le feu, focurile. Vous observez că le substantiv fini en e, u, substantivul se termină în e, u, e, u, e, u, e, u. Alors, nous devons mettre un X. Atunci trebuie să punem un X. Donc, attention à la formation du pluriel. Atenție la formarea pluralului. Le feu vert, culoarea verde la semafor. Le feu rouge, culoarea roșie la semafor. Et je vous ai donné aussi une expression și v-am dat și o expresie. Donner le feu vert. Donner le feu vert. A da undă liberă. Faire le tri, synonyme avec sélectionner, sélectionner, a tria, a selection, a selecta. La petite amie, prietena, dar în sensul de iubită, da? Le petit ami, prietenul, la fel în sens de iubit. Montre, a arăta. La montre, ceasul de mână. Un sujet bidon, un subiect inventat, adică scornit, fals. Le mensonge, minciuna. Vous observez că se de masculin. Observați că este de masculin. Minciună în français. Le mensonge. La vérité, la vérité, adevărul. Vous observez că se de féminin în français. La vérité, adevărul. Essayez, essayez, a încerca. Et je vous ai expliqué le problème avec les verbes en AYR. V-am explicat problema cu verbele în AYR. Vous pouvez transformer le Y. Să transformați Y-ul în I devant une terminaison muette, în fața unei terminații mute, à l'indicatif présent, la indicatif présent. Mais vous pouvez laisser aussi le Y comme il est. Puteți să lăsați și Y-ul cum este. Devant une terminaison muette, în fața unei terminații mute. Mais je répète, la prononciation est différente. Dar repet, este diferită. J'essaye, j'essaye, si le Y reste cum ça, dacă Y-ul rămâne așa, et j'essaie, j'essaie, si je transforme le Y en I, dacă am transformat pe Y în I. Essaie de leur montrer, essaie de leur montrer, încearcă să le arăți. Le pot, pot, sinonim avec les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mulțumesc pentru că v-ați uitat la video. Nu oubliez pas de vous abonner. Nu uitați să vă abonați à la chaîne, à la chaîne, la canalul Le Français avec Gabriel. Le Français avec Gabriel. Franceza cu Gabriela. A bientôt! Pe curând!